Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette première rencontre de la saison 23-24. Ces rencontres écrire en français, ça a changé de titre, mais le cœur du propos demeure, à savoir faire venir, écouter, entendre et surtout lire des auteurs qui s'expriment en français et qui viennent du monde entier. Alors parfois le monde entier, c'est la porte à côté, parfois la porte est un peu plus lointaine, mais c'est la même démarche. Ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Elisa Chua du Sapin, qui est romancière, qui est née en France, qui a vécu en Suisse, qui a une maman coréenne et un papa français, et qui connaît donc très bien à la fois l'Europe, parce qu'elle y a beaucoup voyagé, mais elle connaît aussi très bien la Corée, l'Asie, elle a beaucoup voyagé de par le monde. Elle est romancière, quatre livres. Le premier d'entre eux est « Hiver à Sokcho », un livre qui se passe à Sokcho, donc en Corée. On parlera de chacun de ces livres successivement, mais j'aime même autant vous les présenter tout de suite. Le second, « Les billes du pachinko ». Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le pachinko, restez avec nous et vous découvrirez ce qu'est le pachinko. Et troisième étape, cette fois, on va aller du côté de la Russie avec ce livre « Vladivostok Circus ». Et il sera question d'un cirque et de trois personnes qui font ce qui s'appelle de la barre russe. Et puis, enfin, le dernier, celui qui vient de paraître, « Le vieil incendie ». Ces quatre livres sont publiés aux éditions Zoé, c'est une maison d'édition suisse, une fidélité entre la maison et Elisa. Et puis, on parlera aussi de ce livre qui est un petit peu marginal dans la production d'Elisa. C'est un livre plutôt destiné à un jeune public. Le Colibri, c'est un livre qui a été coécrit avec Hélène Becklin. Et on va commencer peut-être en écoutant Elisa. Je lui ai demandé de lire les premières lignes du vieil incendie. On sera comme ça tout de suite dans l'ambiance. On sera du côté de la Dordogne. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Alors, c'est Agathe qui parle. Elle arrive de New York et nous sommes le 6 novembre. À cause de la pluie, j'ai manqué le panneau du village. Elle a brouillé les vallons, effacé les ornières. J'ai fini par progresser à l'aveugle et m'arrêter sur le bas-côté. Toute cette eau qui s'abat sur le capot. La tempête a commencé hier. Je n'ai croisé personne depuis la sortie de l'autoroute. Même si la radio recommandait de ne pas prendre la route, je n'avais pas le choix. Il est 17 heures, le ciel anthracite. Je n'ai pas réussi à régler l'inclinaison du siège. J'attends très droite, abrutie par le fracas. Au moins la camionnette a l'air solide. On dirait un véhicule de voirie, couleur plasma. J'ai insisté sur l'aspect pratique au service de location. Une heure passe. Enfin, les trombes s'atténuent. Je redémarre. Le GPS m'enfonce dans la forêt. Bientôt, ni pluie ni lumière ne transperce le toit végétal. J'allume les grands phares. Le volant colle. Je roule sur des kilomètres au ralenti, devinant le chemin entre les pistes sous les ronces, jusqu'à déboucher au pied d'une pente raide. Un peu plus haut, le portail est ouvert. Pour la première fois, je refais les gestes de mon père. Je passe en première, accélère, les roues patinent dans la rocaille mais elles tiennent bon, je coupe le moteur devant la maison. L'ampoule automatique s'allume, un lapin fuit. La bâtisse a l'air fatiguée, le toit affaissé sur les briques comme un géant asphyxié par le lierre. Une voiture est garée sous le noisetier. La fougère écartèle les marches du perron. Par la fenêtre, je devine de la lumière. Je me plaque contre l'œillet de sécurité, recule aussitôt. Je ne m'attendais pas au visage de ma sœur. Front énorme, sourcils écartés, yeux de poisson. Ma sœur enflée par cette loupe que mon père prétendait avoir délibérément installée à l'envers. D'après lui, nous n'avions rien à craindre ni à cacher. Nos richesses étaient intérieures
et le monde entier devait savoir que les plus belles personnes vivaient ici. Salut. Ma voix a sonné plus fort que prévu. Vera répond par un sourire trop grand pour sa bouche. Elle me prend la valise des mains, la pose en bas des escaliers dans la cuisine. Je retrouve le sol de pierre, les meubles en bois, la porte de la salle de bain dans l'ombre de la cheminée. Je ne l'avais pas connue ainsi, l'âtre bouché par des livres. Au-dessus de la table, une cage à oiseaux remplace le luminaire. Des fromages s'entassent derrière les barreaux. Vera me montre les escaliers, puis se désigne au plan de travail. Je dois m'installer pendant qu'elle termine la préparation du repas. Je l'ai connue bordélique. Je la complimente. Elle écrit sur son téléphone, me montre l'écran. C'est pour bien t'accueillir. Je réponds un peu sèchement que nous sommes sœurs et c'est aussi chez moi. Passons-nous de ce genre de politesse. Elle allume le gaz d'un geste précipité. Je ne peux m'empêcher d'ajouter, surtout qu'on ne va rien garder. Merci pour cette lecture, donc première page de Le Vieil Incendie. Alors, où sommes-nous ? C'est un lieu que vous connaissez bien ? Alors, on se trouve dans un coin de campagne profonde du Périgord, quelque part plus précisément entre le Périgord vert et le Périgord noir. Et c'est le domaine d'un château qui s'appelle le Pigeon Froid, qui vient de l'Occitan. En fait, au départ, ça s'appelait le Puits Geoffroy. Mais au XIXe siècle, quand Paris a envoyé des fonctionnaires renommer les campagnes, il y a eu quelques couacs dans la compréhension de la langue d'oc. Et en fait, Agathe revient de New York pour retrouver sa petite sœur dans la maison de leur enfance, où elles ont grandi jusqu'à ce qu'Agathe parte à New York. Ça fait presque 15 ans qu'elles ne se sont pas revues, à part pour l'enterrement de leur père qui est décédé quelques années plus tôt. Et en fait, elles doivent vider la maison qui va être démantelée pour reconstruire le pigeonnier du château voisin. Et voilà, on est. Restez sur le lieu. Ce lieu, c'était important que ce soit là. Cette maison, vous la connaissez, elle existe vraiment. C'est un composé d'invention et de réalité. Le décor tel qu'il est, il existe vraiment. Vous le connaissez, vous l'avez inventé. Alors, il faut peut-être dire que, en fait, je suis née dans le Périgord, à Sarlat, mais à part les toutes premières années de ma vie, je ne suis jamais allée spécialement dans cet endroit. Et en fait, au départ, l'histoire devait se passer à New York, où j'ai vécu un certain temps. Mais en 2021, j'ai été invitée à un festival à Saint-Léon-sur-Vézère, donc pas très loin de Sarlat, de Lascaux. Et à ce moment-là, j'étais déjà encombrée par New York comme lieu du roman, qui me semblait trop bouillonnant par rapport à l'intériorité des personnages que je commençais à découvrir. Parce que je ne sais jamais à l'avance qui vont être mes personnages. Et le fait de, presque par hasard, me rappeler que j'étais née là, dans cette région, m'a bouleversée parce que je crois que pour la première fois au monde, j'ai eu l'impression qu'il y avait un endroit où je me sentais vraiment objectivement bien, sans avoir l'impression de devoir justifier ma présence, parce que simplement j'étais née là. Alors que ailleurs en France, ou en Suisse, ou en Corée, ou qu'importe, il y a toujours une part de moi qui est étrangère. Et je crois que vraiment cette sensation de légitimité totale m'a rendu évidente le fait de placer cette histoire dans ce lieu-là. Et en l'occurrence, la maison, c'est... Alors je me suis inspirée d'une maison de mon enfance, qui appartient à des amis très proches de mes parents. Je l'ai rendu un peu plus crado. mais par contre, l'environnement, c'est vraiment celui d'une résidence d'écriture que j'ai eu la chance de faire pendant plusieurs mois l'année passée en Dordogne. Donc je me suis vraiment immergée dans ce coin de pays, presque dans une solitude absolue, à part entourée du couple qui m'hébergeait. C'était le lieu, le Goupilou, un joli oui, lieu. Oui, c'est le lieu du Goupilou, et le Goupilou, ça veut dire le renard en occitan. Goupil. Les deux personnages, alors on va commencer par celle qui arrive, celle qui vient de parler, là, Agathe, elle,
Justement, elle est perçue comme l'américaine. Elle est partie il y a 15 ans, elle est revenue. C'est l'étrangère, là, ce n'est pas du tout comme vous le dites pour vous, je suis d'ici, donc je n'ai pas besoin, je suis légitime. Elle, c'est tout à fait le contraire. Elle a approuvé que, si, elle connaît quand même parce qu'elle est née là, mais dans le regard des autres, elle est l'américaine. Ou pour certains, en tous les cas. Oui, c'est vrai. Et c'est une lecture fine, en fait, que j'entends maintenant, parce que je crois que je ne m'en rendais pas compte. Pas comme ça, en tout cas. Mais je pense que ça, c'est... Le rapport de cette narratrice au lieu, il est au fond assez similaire à celui de mes autres narratrices par rapport aux autres lieux. Dans le sens où, même si, en tant qu'auteur ou individu, je me sens proche du lieu sur lequel j'écris. C'est vrai qu'il y a quand même, malgré tout, une part de moi qui me sent étrangère. Et en l'occurrence, même en Dordogne, même après cette révélation du fait que je me sentais tellement bien dans ce lieu parce que j'y suis née, après coup, il y a tout un, quand même une sorte de travail de, je sais pas, de rapprochement ou de lent travail à faire pour se sentir finalement... Je ne sais pas, intime avec un endroit, mais comme avec un être. Et puis, je crois que pour moi, ça passe beaucoup par le rapport à la langue aussi. Et là, je pense que, en fait, pour répondre à cette question, je dois quand même parler du métier de Agathe, qui est scénariste à New York. Et en fait, je me suis aperçue que dans mes trois premiers romans, mes personnages parlent beaucoup de langues, sauf le français. Alors que je n'écris qu'en français. Ils parlent des langues que je comprends ou que je parle, mais que je ne suis pas capable d'écrire, en tout cas pas de manière littéraire. Et en fait, même mon premier roman, je l'ai écrit en français pour tout ce que je n'arrivais plus à dire dans ma langue maternelle, qui est le coréen. Et après ces trois romans, j'ai été évidemment assignée beaucoup à l'Extrême-Orient, qui est une part de moi, mais... Mes romans parlent beaucoup de cette question de la communication, de la tentative de vraiment se dire ou d'entrer en contact. Et souvent, la langue n'est pas le premier vecteur de sens ou de communication, mais plutôt le corps ou l'art, la cuisine, enfin d'autres éléments. Et après trois romans, je ressentais le besoin presque viscéral de me réconcilier d'une certaine manière avec le français ou alors de ne plus ressentir cette tension permanente que je ressens parce que en tout cas, dans ces trois premiers romans, quand j'écrivais en français, une part de moi se sentait à la fois illégitime, parce que je me disais que si mon roman se passe en Russie, au Japon, en Corée, je devrais pouvoir écrire dans ces langues-là. Et à la fois, j'avais aussi une forme de frustration, parce que c'est comme si le français m'avait petit à petit fait oublier une autre langue. Et ça, c'est plutôt, par exemple, mes grands-parents coréens qui me l'ont beaucoup reproché. Et en même temps, j'ai un amour infini pour cette langue qui est aussi la langue de mon père et une langue que j'aime énormément à plein de niveaux. Et puis, donc voilà, c'est en tout cas pas un rapport évident. Et je me suis dit, et si j'essayais de créer des personnages qui parlent français et pour qui cette langue n'est pas un enjeu, en fait, simplement voilà, une langue, des personnages monolingues. Qui n'est même pas un problème. Pour qui ce n'est même pas une question. Enfin, voilà. Parce que pour moi, ça, c'est un rapport fascinant à la langue, comme j'en parle 4-5, et à chaque fois que je parle une langue, il y en a d'autres qui résonnent en moi, où je me demande comment je penserais si je parlais une autre, enfin, voilà, si j'étais dans une des autres langues. Mais en fait, il faut croire que j'ai encore du travail à faire, puisque justement, Agathe, en fait, elle vient de New York, elle écrit en anglais, et surtout, sa petite sœur est carrément aphasique. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le... Donc, elle vient rencontrer cette petite sœur, elle revient 15 ans après, elle est partie à l'âge de 15 ans, elle revient 15 ans plus tard, et elle revient pour une situation qui est à la fois douloureuse, c'est la séparation d'un lieu, ils ont vendu cette maison, donc il faut vider cette maison. Mais déjà parlons de la petite sœur Vera. On l'a vu là dans l'extrait que vous avez lu, le rapport il est difficile hein, au départ, je suis content de t'accueillir, et puis elle dit en gros t'as pas besoin de m'accueillir parce que je suis chez moi. Alors, le rapport qu'elles ont eu dans un premier temps, ces deux sœurs, quels étaient ce rapport, quels étaient ces liens? Oui, c'est un lien un peu particulier entre ces deux jeunes femmes, parce que Vera, la cadette, elle a
été aphasique à partir de l'âge de 6 ans. Et du coup, Agathe a toujours parlé à la place de sa petite sœur. Et c'est un peu comme si elle lui avait constitué une forme d'identité en parlant toujours pour elle, jusqu'à ce qu'à partir de l'adolescence, elle commence à quand même avoir envie d'une forme d'émancipation, elle est tombée amoureuse. Et là, elle se rend compte que, en fait, le lien fusionnel qu'elle avait avec sa sœur est presque uniquement à sa sœur. Elles étaient très solitaires. Il était devenu aliénant au point de l'empêcher de vraiment pouvoir s'épanouir. Aussi parce que leur mère est partie quand elles étaient enfants, elle a refait sa vie et d'autres enfants avec un autre homme. Et là, c'est un peu atypique, mais c'est le père qui s'est occupé de Agathe et Vera. Un père qui était guide dans les grottes et archéologue. Et du coup, à un moment donné, Agathe a décidé de partir aux États-Unis. Au départ, elle devait partir que quelques années pour le lycée dans une famille d'accueil. Et finalement, la vie a fait qu'elle est toujours restée là-bas. Mais évidemment, ce retour, il est tendu puisqu'il y a une forme de grande culpabilité qu'elle ressent malgré tout du fait de ne pas être revenue. Et à la fois, c'est aussi une forme de peut-être de ressentiment qui se mélange vis-à-vis de, par exemple, de sa mère, dont elle a pris le rôle par substitution, alors qu'elle n'avait peut-être pas à l'avoir. Le chagrin aussi d'avoir perdu son père, mais de ne pas avoir été là pour l'accompagner, alors que Vera l'a été. Et tout comme Octave, l'homme dont elle était secrètement amoureuse plus jeune, et qui est revenu vivre dans le château voisin, justement, le Pigeon Froid. Donc voilà, c'est tout un mélange. Et puis en plus, elle vient de vivre une fausse couche, dont elle n'était pas certaine d'avoir voulu la grossesse. Donc voilà, il y a tout un mélange assez symbolique sur le passage de laisser derrière soi cette enfance, devenir potentiellement mère ou pas, ou dans quelles conditions, et retrouver ce rôle de petite maman qu'elle avait avec sa petite sœur, mais qui est devenue peut-être plus mature ou plus femme que elle, en fin de compte. Il y a par deux fois au moins dans le livre où vous faites, et elles font, la distinction entre l'une dit « tu es ma sœur, pas mon amie », et à un autre moment, il y a ce dialogue « si je n'étais pas ta sœur, tu serais amie avec moi », et l'autre répond « non, je ne pense pas ». Ça veut dire quoi ça, on est sœur, on n'est pas amie, l'une voudrait bien aller plus loin, mais... Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas de réponse fixe, mais par contre, ce sont des questions que je me pose puisque j'ai trois petites sœurs. Et en fait, c'était d'ailleurs perturbant parce que dans mes trois premiers romans, mes narratrices, qui ont toujours été relativement proches de moi en âge, même si elles ne sont pas du tout moi, elles sont toutes filles uniques. Et c'est vrai que pour moi qui ai grandi dans une sororie de quatre filles, je me suis toujours demandé pourquoi je n'arrivais pas à donner des frères ou des sœurs à ces personnages, jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'est parce que justement ce lien de frère ou de sœur me semble tellement complexe que je ne pouvais pas en parler si ce n'était pas le lieu principal du roman. Et donc, ce quatrième roman, Le Vieil Incendie, se concentre sur ce lien-là. Mais au départ, il y avait, comme toujours dans tout ce que j'essaie d'écrire, il y avait plein de rebondissements, plein de personnages. Et puis finalement, je fais ce que je peux, c'est-à-dire j'arrive que à me concentrer petit à petit sur ce qui devient le plus important. Et là, dans celui-ci, je me suis aperçue que c'était vraiment l'exploration de ce que signifie pour moi ce lien entre sœurs, au point que j'en ai fait quasiment un huis clos dans cette maison. Et en fait, je crois que même l'absence de parole de Vera participe pour moi à cette exploration. Parce que quand Vera... En fait, l'idée de l'aphasie, elle est arrivée seulement à peine 3 mois avant la fin de la remise du manuscrit, alors que ça faisait 4-5 ans que j'y travaillais. Et au départ, Vera était photographe à New York, elle parlait, enfin, elle avait une vie publique, flamboyante, donc absolument pas le même personnage. Mais en fait, j'étais très mal à l'aise avec cette parole-là parce que j'ai aussi toujours tellement peur du cliché. Et je crois que vraiment, je me méfie énormément de la parole ou des mots, alors que c'est mon outil principal. Mais ça me semblait plus simple de lui enlever les mots pour être dans un rapport purement authentique de l'émotion, en fait.
Et alors, ça m'a rajouté évidemment un défi qui est celui de faire parler du coup un personnage qui ne parle pas en tant qu'écrivaine. Mais en fin de compte, pour moi, pour qu'il justement le rapport au corps, au langage, aux cinq sens est tellement plus évident au final que la parole, ça a été en fait la voix qui m'a permis de faire se développer le lien de ces deux femmes presque comme deux animaux en fait, qui ont un rapport comme ça vraiment même charnel à certains endroits, enfin, elles se lavent, elles dorment ensemble, même s'il y a beaucoup de distance, mais voilà. Il y a un personnage que vous avez cité qui est Octave, là. C'est le personnage qui appartient à l'enfance et qui a vieilli, hein, qui n'est plus celui qu'elle a connu. C'est un livre aussi sur le, grâce à ce personnage et évidemment aux deux sœurs, sur l'enfance, sur la perte de l'enfance, sur ce qu'a été l'enfance et sur ce qu'elle n'est plus forcément. Apparemment, oui. Et je dis apparemment parce que vraiment, mes processus d'écriture sont tellement intuitifs que je n'ai jamais vraiment d'idée claire de ce qui va arriver. Et d'ailleurs, comme toujours, le projet au départ n'avait rien à voir avec ce qu'il est devenu. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, bah d'ailleurs, le colibri a été cité. Juste avant ce texte-là, j'avais reçu une commande d'un très beau théâtre jeune public de Genève pour écrire une pièce de théâtre. Et en fait, entre chaque roman, depuis 2015, j'ai toujours écrit pour le théâtre jeune public. Et c'est quelque chose qui me nourrit énormément. J'ai vraiment besoin de ça parce que à chaque fois, c'est comme ma bulle d'oxygène entre chaque projet romanesque où vraiment je plonge dans des sortes de gouffres émotionnels très, très, très denses qui me prennent énormément d'énergie. Et le travail pour jeune public n'est pas du tout plus facile, ni même plus léger, mais par contre, je crois que je me sens en fait plus libre et plus proche de moi-même, ou en tout cas clairement de l'enfant que j'ai été. Et je pense que dans ce vieil incendie qui parle de, quand même bah, du coup de mon lieu de naissance, inconsciemment, j'ai dû être guidée vers tout ce qui, pour moi, est rattaché à ce cocon-là, en fait, que j'associe vraiment à une forme d'intuition pure ou à un rapport à la lecture aussi ou à l'imaginaire, sans aucune limite et en tout cas sans aucun schéma social pour brider quoi que ce soit. Et donc, oui, dans Le Vieil Incendie, il y a quelques hommages comme ça à des auteurs classiques comme, je sais pas, des Claude Ponty, Raymond Brix ou des BD que, en l'occurrence, mon père m'a beaucoup offert, et mon père, je lui rends aussi une forme d'hommage dans ce texte parce que il m'a vraiment inspiré le père de Agathe et Vera en tant qu'homme qui raconte énormément d'histoires, et je pense que c'est lui qui m'a transmis entre autres la capacité à voir dans la moindre image du quotidien quelque chose de potentiellement poétique ou merveilleux, et je crois que si j'écris c'est aussi pour lui avoir cette possibilité de rendre un peu plus supportable un quotidien qui parfois n'est pas évident. Il y a un aspect qui est fort dans ce livre aussi, on est dans un huis clos ou un quasi huis clos dans cette maison, et cette maison est dans un cadre plus vaste qui est la Dordogne avec l'histoire qui est présente, non seulement l'histoire mais la préhistoire. Donc c'est des lieux très très forts l'un et l'autre. L'idée du huis clos, il y avait besoin de ce lieu fermé, de ce lieu. Je pense qu'il y a c'est une conjonction de deux facteurs. D'une part, effectivement une volonté ou plutôt un besoin de me concentrer sur un lieu assez clos ou intimiste pour parler de ces deux sœurs. Mais je pense que comme vraiment j'ai passé 3 mois et demi en résidence en Dordogne et sur 3 mois différents de l'année, j'ai été très marquée par cet endroit. Et en l'occurrence, c'est un endroit qui est vraiment loin de toutes les grandes villes. Il faut faire presque 1 heure de route pour trouver un magasin. Et on est vraiment au cœur de la forêt, donc moi j'adore ça. Enfin, je supporte pas de vivre dans une ville, donc vraiment j'étais dans mon élément. Mais en même temps, j'étais aussi dans une grande solitude, et je pense que ça a influencé les lieux autant que justement cette forme
de géologie qui est particulière. Il y a tellement de gouffres et de grottes avec des peintures rupestres aussi qui datent de presque 20 000 ans. Et c'est vrai que ça, c'est, ben, en soi, ce sont des choses qui me fascinent, mais là, c'était une expérience merveilleuse parce que fin novembre, décembre, janvier, j'ai eu la chance de rencontrer des guides ou des archéologues qui m'ont permis de... Alors, je racontais que, voilà, que j'écrivais un roman et tout ça, et j'ai pu vraiment faire des recherches dans ces grottes quand il n'y avait absolument personne, alors que ça peut être un peu Disneyland selon les périodes. Et je crois que vraiment, ces expériences-là, d'être sur des bateaux de rivières souterraines à 100 mètres sous la terre, sur 30 km de longueur, c'est vraiment... Ça m'a bouleversée autant que de me rappeler que justement j'étais née là. Et aussi pour l'anecdote, ma mère a voulu accoucher à Sarlat parce que pour elle, c'était l'endroit en Europe qui lui faisait le plus penser à la Corée du Sud. Et c'est vrai que pour moi qui ai aussi vécu en Corée du Sud, il y a vraiment la même végétation en fait. Et donc c'est troublant. Mais du coup, je crois que cette métaphore de la grotte, qui évidemment m'évoque aussi une forme de peut-être le ventre maternel ou des choses comme ça, c'était puissant pour le roman. Et aussi peut-être la question de ce mystère de pourquoi ces hommes préhistoriques ou nos ancêtres ont, pour la première fois, il y a si longtemps, commencé à laisser des traces sur ces parois avec des pigments, qui racontent des premières scènes aussi, donc des prémices d'une narration. Et je crois que vraiment, ça résonne aussi beaucoup en moi parce que personnellement, je ne sais pas non plus pourquoi, au fond, j'ai besoin d'écrire ou de raconter une histoire. Donc voilà, je pense qu'il y avait une sorte d'écho comme ça, très fort. Le lieu est important, presque unité de lieu, mais le temps aussi est important. Vous l'avez tout à l'heure, vous avez commencé la lecture, c'est une date et le livre va durer 9 jours. Pourquoi 9 jours ? Parce qu'il fallait, que arbitrairement, j'ai quand même un espace-temps donné. En fait, c'est un peu paradoxal, mais je ne sais pas du tout au fond ce que je raconte pendant l'écriture. Mais par contre, comme justement il y a toutes ces incertitudes-là au niveau du sens profond, c'est important que l'univers, le décor soit extrêmement précis pour que vraiment j'ai comme un socle dans lequel ensuite mes personnages vont évoluer. Mais par exemple, la temporalité, c'est un des éléments importants. Et dans ces moments-là, je fais vraiment une sorte de fil temporel avec des dates et tout ça. Et puis là, j'ai un peu estimé ce qui pouvait être faisable vraiment en termes de vraisemblance avec une fille qui revient de New York, qui doit travailler, donc elle ne peut pas rester là 3 mois. Mais en même temps, il faut qu'il y ait suffisamment de temps. Après, je pense que... Bah, par exemple, j'en étais arrivée à 10 jours et finalement, je me suis dit, bon, elle vient de perdre un potentiel futur bébé, alors pourquoi pas faire 9 jours comme un petit clin d'œil à 9 mois. Enfin, mais voilà, ça, c'est la cuisine interne, il n'y avait pas énormément de sens autre que vraiment des besoins un peu techniques d'écriture. Il fallait les 3 précédents romans pour arriver à celui-ci. Un qui se passe en Corée, un qui se passe en Japon, l'autre qui se passe en Russie. Il fallait ces bases-là pour arriver à ce roman-là. Il n'aurait pas pu être le premier, ou il était déjà en germe, ou il est... pas du tout. Je pense que le fait de placer ce roman en France n'aurait pas été du tout possible au départ. Parce que vraiment, ce qui m'a menée à l'écriture, c'était un besoin... très très fort de me rapprocher de ma culture maternelle parce que j'ai découvert la Corée du Sud pour la première fois à 13 ans et à partir de 13 ans je suis allée chaque année là-bas. Jusqu'à ce moment-là, pour moi la Corée c'était la nourriture et la langue qu'on parlait à la maison, mais ça a été vraiment très fort dans mon adolescence et mon enfance, l'impression d'être toujours l'asiatique en Europe et à partir de mes 13 ans, l'occidental en Corée. Alors qu'au fond de moi, ce sont des cultures que je porte vraiment, vraiment en moi. Donc, je ne sais pas comment dire ça, je comprends intrinsèquement la pensée asiatique. Et d'ailleurs, mes livres ont la chance d'être beaucoup traduits dans le monde. Et en l'occurrence, en Asie, on me demande souvent comment j'ai fait pour rendre aussi bien la pensée asiatique alors que je suis une étrangère. Donc c'est voilà, mais c'est moins lancinant aujourd'hui à 30 ans. J'ai écrit Vera Sokcho entre 17 et 21 ans, et vraiment aujourd'hui, ce sont des questions qui me sont tellement moins importantes
Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu me rapprocher de la France avec beaucoup plus de sérénité. Peut-être parce que justement, je me suis aperçue que cette question identitaire, aujourd'hui, elle est moins dépendante d'un lieu ou même d'une culture, mais simplement parce que c'est à travers mes livres que j'ai l'impression petit à petit, au fond, de me construire, je crois. Alors, on va parler de vos trois précédents livres pour les situer un petit peu, pour ceux qui ne vous auraient pas encore lu. Hiver à Sokcho. Alors déjà, situez-nous le lieu Sokcho, plutôt le nord de la Corée du Sud, mais le lieu, quand même un lieu assez curieux. Effectivement, alors Sokcho, c'est à l'époque où je l'ai écrit, c'était une petite ville. Maintenant, elle a triplé de taille, elle est devenue très moderne. Mais à l'époque, c'était une petite ville portuaire à la frontière de la Corée du Nord, donc à l'extrême est de la Corée du Sud, vraiment voilà, à la frontière. Et ce qui m'a touchée dans cette ville, c'est que c'est une destination très très touristique en été, mais en hiver elle est vidée. Donc en fait c'est une de ces villes fantômes hors saison. Et pour moi dont la famille paternelle vient de Normandie, j'ai été habituée à ces décalages en fait de petites stations vraiment désertées et en même temps que j'aime tellement comme ça en hiver et bondées en été. À la différence que en Corée. Contrairement à la Normandie où il y a aussi eu clairement ces fameuses plages très célèbres de débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est aussi passé des choses comme ça en Corée avec le Japon, la Chine, la Mongolie, mais aujourd'hui la guerre est encore officiellement en cours hein, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et pour moi, pour ma famille, c'est quelque chose de très présent encore, puisque ma famille a vraiment été séparée par cette séparation géopolitique. Et du coup, c'est une histoire qui, pour moi, se passe dans un lieu symbolique de frontière à la fois politique, géographique, mais qui peut aussi symboliser les frontières qu'on peut avoir à l'intérieur de soi-même. Déjà, dans ce livre, dès la pratiquement les premières pages, on retrouve cette manière de nous mettre, nous lecteurs, dans un lieu par quelques mots. Le personnage parle de Sokcho. On ne pouvait prétendre la connaître sans y être né, sans y vivre, l'hiver, les odeurs, le poulpe, la solitude. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup associé poulpe et solitude dans d'autres romans. Et effectivement, en deux mots, vous donnez des indications au lecteur. Alors là aussi, dans ce lieu curieux, singulier, une rencontre, elle, une jeune femme, elle franco-coréenne, qui ne connaît pas l'Europe, qui travaille dans une maison qui accueille des touristes. Hein, et elle apprend le français. Et lui vient de France, il est de Granville, il s'appelle Yann Kéran, il est dessinateur, il fait des bandes dessinées. Alors, ces deux personnages, ils viennent d'où? Ils naissent comment dans votre esprit? C'est particulier pour moi d'essayer de répondre à cette question parce que ça me rappelle que j'ai développé cette jeune femme, l'idée de cette jeune femme vraiment quand j'étais adolescente, et quand j'étais au lycée en fait, quand j'ai commencé à écrire. C'est pas il y a trois siècles non plus quand même. Hein. Faut pas... Non plus, mais ça fait quand même quelques années maintenant. Et je crois que pour ce personnage-là, je dois me rappeler que j'étais extrêmement mal dans ma peau à ce moment-là. Et c'est au-delà de ces questions interculturelles. C'est que je crois vraiment que j'étais, en tant que jeune femme, très soumise aux injonctions de la société vis-à-vis de l'image, des pressions sur le corps et je crois que et là aussi, alors le fait d'avoir trois petites sœurs m'a aussi renvoyé en miroir le fait qu'elles-mêmes pouvaient aussi ressentir ces difficultés-là, mes amis aussi, donc je crois que j'avais vraiment une forme de révolte sourde en moi que je n'arrivais pas à exprimer parce que là aussi j'avais cette culture d'extrême-orient dans l'éducation où il ne faut pas dire ce qu'on pense, il faut toujours faire garder la face à l'autre. Et c'était vraiment compliqué parce qu'en même temps, je vivais ça en Suisse et en France, où je voyais mes amies beaucoup plus sûres d'elles. Et moi, je me sentais vraiment empêchée par ce mélange culturel. Et j'ai été frappée quand les premières années, j'ai été en Corée du Sud, de voir que c'est le pays où il y a le
plus d'opérations de chirurgie esthétique au monde, notamment sur le visage. Et le visage, c'est quand même notre premier vecteur d'identité, comme ça, avant même qu'on dise ou fasse quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment frappée de me dire pourquoi autant de gens, et vraiment de jeunes, se font opérer en étirant les traits vers quelque chose d'occidentalisé. Et même, je me rappelle qu'avec mes sœurs et moi, ou à d'autres personnes eurasiennes, on pouvait parfois demander qui avait été le chirurgien esthétique. Alors que quand on disait qu'en fait, on était vraiment on était eurasien, là, on ressentait plutôt une forme de mépris, parce que c'est mal vu d'être métissé en Corée. Et je crois que ce paradoxe m'a évidemment bouleversée en tant qu'eurasienne, mais aussi, je crois, encore plus rendu consciente de conséquences tellement dramatiques parfois, de ces pressions sociales dans un pays où en fait l'image est hyper importante, et ça vient notamment du confucianisme. Et je crois que en parallèle, la Corée du Sud est un des pays de record de suicide, autant chez les jeunes que chez les plus âgés, pour d'autres raisons. Et je crois que oui, le fait de me dire que c'est le pays de ma mère, donc aussi une part de moi, et qu'il y a toutes ces ambivalences, voilà, de manière assez instinctive, ça m'a amené à développer le personnage de cette jeune femme, qui est une forme de miroir inversé de moi-même, puisque elle est née en Corée du Sud, d'un père français, d'une mère coréenne, mais son père, elle ne l'a jamais connu, et elle ne connaît la France que par la langue et la littérature qu'elle a apprise à l'université. Une des premières phrases, c'est « j'ai lu Maupassant hein. ». Ils échangent, ils parlent de Maupassant dès la première rencontre, ou très vite en tous les cas. Oui, je voulais vraiment créer vraiment des ponts entre la Normandie et la Corée du Sud. Et l'autre personnage, lui, alors, son mode d'expression, justement, là encore, voilà quelqu'un qui ne s'exprime pas par la parole, pas par l'écrit, mais par le dessin. Oui, effectivement. Alors, le personnage du bédéiste, Yann Kéran, lui, il est venu assez tard. Au départ, tout ce qui m'apportait, c'était la présence d'un homme étranger qui représente un miroir, en fait, à travers lequel cette jeune femme puisse se réfléchir et qui soit différent des miroirs qui lui sont renvoyés par les autres membres de son entourage, tels que son petit ami qui est apprenti mannequin à Séoul, sa mère, qui est dans un schéma encore très traditionnel, et sa tante, qui s'est expatriée aussi à Séoul, et qui, par exemple, elle, l'encourage vraiment à se faire de la chirurgie esthétique parce qu'elle obtiendra sûrement un meilleur emploi, comme ça. Et c'est vraiment des phrases que j'ai entendues énormément en Corée du Sud. Et en fait, tout d'un coup, arrive cet homme qui représente un ailleurs, un père potentiel. En même temps, c'est une relation aussi où il y a une tension érotique, donc il y a vraiment aussi une forme de... Enfin, il y a clairement du désir, mais en même temps, tout est dans cet entre-deux parce que, justement, c'est un étranger. Ils ne peuvent pas communiquer par la langue, vraiment. Enfin, ils parlent en anglais, en fait, entre eux. Et je crois qu'à travers ce personnage, qui est quelqu'un de créatif, et comme dans beaucoup d'autres de mes... Enfin, dans certains autres de mes personnages, voulu questionner... la créativité, je crois. En fait, parce que je me demande toujours pourquoi je parle en fait. Je me demande toujours pourquoi j'écris, en fait. Et voilà, là, ça rejoint vraiment le quatrième roman. On va parler du deuxième, les billes du pachinko, parce qu'on va complètement ailleurs et en même temps, on reste pas très loin. À nouveau, une jeune fille, elle s'appelle Claire, elle est franco-coréenne, elle aussi, elle est installée en Suisse. Et elle ne parle pas le coréen et elle a appris le japon parce qu'elle veut converser avec ses grands-parents. Alors, racontez-nous cette histoire qui mêle les deux pays. Donc, il y a eu ce conflit une guerre très, très, très dure entre le Japon et la Corée. Et aujourd'hui, il y a encore cet antagonisme qui est là. Et néanmoins, il y a des Coréens qui vivent au Japon. Et c'est le cas des grands-parents de cette jeune femme qui s'appelle Claire et qui tiennent un établissement de pachinko. Alors, bon, peut-être que nous commençons par le titre. Le pachinko, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu
de hasard et de loterie, d'une certaine façon. Alors, je vais essayer de répondre un peu succinctement. En fait, il y a eu une grande diaspora coréenne au Japon dans les années 50, plus ou moins après la guerre de Corée. Et ces Coréens qui s'étaient expatriés ou exilés au Japon, ils se sont retrouvés dans une forme de no man's land identitaire, puisque pour les Coréens restés en Corée, ils étaient des traîtres à la patrie. Et pour les Japonais, ils étaient finalement les Coréens, en fait. Les anciens ressortissants du pays qui avait été occupé. Et encore aujourd'hui, il y a vraiment une tension entre les deux pays qu'on ressent clairement. Il y a même des manifestations dans la rue parfois. Donc, et autant en Corée qu'au Japon, c'est vraiment des deux côtés. Mais en fait, à cette époque-là, les Coréens du Japon ne pouvaient pas facilement accéder au travail, où ils devaient beaucoup changer leur nom, prendre des noms japonais. Et ils ont inventé un système, un jeu, en fait, qui s'appelle le pachinko. À une époque où il n'y avait vraiment pas de divertissement dans le pays, même le Japon aussi était en ruine, il fallait reconstruire tout ça. Ils ont inventé un jeu d'argent. Au départ, c'était des billes, et ce qu'on gagnait, c'était des cigarettes. Et en fait, il y a eu tellement de succès que c'est devenu cette industrie du pachinko qui est une immense part de l'économie japonaise. Ça peut s'apparenter aux casinos occidentaux, à la différence qu'officiellement au Japon, les jeux d'argent sont interdits. Donc en fait, c'est vraiment une mafia, pas du tout cachée, mais voilà. Et une grande part de cette mafia-là est coréenne. Donc évidemment, ça n'aide pas à l'intégration ou à la bonne image des Coréens au Japon. Mais à la fois, le gouvernement japonais entretient un peu ça parce que les Coréens ne payent pas de taxes s'ils tiennent un établissement de pachinko, alors que les Japonais payent des taxes extrêmement élevées. Donc pour moi, en tant qu'Eurasienne coréenne, qui est passée pendant 8 ans, plusieurs mois par année au Japon, dans le cadre d'une ancienne relation amoureuse, ça m'a vraiment frappée parce que je me sentais... j'ai un immense intérêt pour le Japon autant que pour la Corée. Et puis... Et en fait, ça m'a frappée de voir à quel point le poids de l'histoire était vraiment présent. Et même pour moi, au quotidien, on pensait que j'étais japonaise. Et quand je parlais de mes origines coréennes, je ressentais tout de suite qu'il y avait vraiment une... C'était pas anodin, en tout cas. Et d'une part, c'était pas anodin sur place. Mais en même temps, c'était pas anodin pour mes grands-parents coréens qui, eux, vivent en Suisse depuis plus de 50 ans, mais qui ne supportaient pas l'idée que j'aille au Japon, en fait. Et je crois que le fait de voir en écho cette place très ambiguë et compliquée des Coréens qui vivent au Japon, je l'ai mis un peu en parallèle avec celle de mes grands-parents qui vivent en Suisse, mais qui ne se sont jamais vraiment intégrés. Ils tenaient un orphelinat d'enfants coréens dans les années 70-80. En fait, de nouveau, l'enjeu de la langue était important, parce que pour les Coréens du Japon, j'ai eu la chance de pouvoir mener beaucoup d'entretiens avec des gens là-bas. Ce qui revenait beaucoup, c'était que la seule chose qui le relie encore vraiment à la Corée, c'est cette langue coréenne. Et la langue d'un pays qui, c'est une phrase du livre, qui n'existe plus, puisqu'à l'époque, on disait Choson. Et entre-temps, c'est devenu Corée du Sud et Corée du Nord. Et pour mes grands-parents, c'est un peu pareil. En fait, je parlais mieux coréen que français quand j'étais enfant. Et petit à petit, j'ai appris l'allemand et l'anglais, l'allemand qui est une langue nationale suisse, que je parle bien mieux que le coréen maintenant. Et eux parlent l'allemand, mais ils refusent de le parler avec moi. Donc avec eux, je parle coréen d'une petite fille. Et au Japon, dans les billes du pachinko, j'ai transposé ce destin-là à travers Claire qui va voir ses grands-parents, qui a appris le japonais parce que c'est la langue du pays dans lequel ils vivent. Mais eux refusent de parler japonais parce que c'est pour eux la langue de l'ennemi. Donc voilà, il y a vraiment de nouveau cette question de la communication, et elle aimerait les emmener encore une dernière fois dans leur pays natal. Et elle se retrouve aussi confrontée à en fait une forme de résistance de leur part, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'au niveau émotionnel, peut-être que pour eux, ce pays-là n'existe plus. Voilà. Et Claire va même jusqu'à, elle, enseigner le français à une petite, petite japonaise. Donc les langues se mêlent et s'échangent et s'apprennent ou s'oublient aussi. Troisième livre. Vladivostok Circus, donc on va se retrouver du côté de la Russie
Et dans un cirque, alors comment en vient-on à écrire sur Vladivostok et sur le cirque russe et sur la barre russe? Je crois que, alors, pour ce livre-là, il y a une grande part de hasard. Et ça a été le livre le plus, je dirais le moins, entre guillemets, lourd à écrire, parce que peut-être le moins intimement, émotionnellement lié à moi. Et ça m'a fait du bien, après justement les deux premiers, et ça m'a redonné une énergie dont j'avais besoin pour pouvoir me plonger dans le vieil incendie. Et en l'occurrence, il est parti d'un voyage que j'ai entrepris en 2018, entre Porrentruy, la petite bourgade où je vis dans le Jura suisse, la campagne, et Tokyo, en passant par Séoul. Un voyage que je voulais faire sans prendre l'avion. Et donc, j'ai passé plusieurs mois dans le transsibérien, juste bah, évidemment avant la guerre. Enfin, d'ailleurs, le livre a paru vraiment au moment où éclatait la guerre, donc c'était très particulier pour moi, parce que j'avais passé vraiment beaucoup de temps en Sibérie, et notamment à Vladivostok, où j'ai été, et là aussi en tant qu'Eurasienne marquée, parce que pour la première fois de ma vie, je traversais le continent eurasiatique à vitesse relativement humaine. Donc je voyais les physionomies changer petit à petit jusqu'à arriver à cet extrême-orient, mais d'un territoire eurasien, eurasiatique, où en fait on était encore en Russie, mais en même temps dans un fuseau horaire complètement... Il y a 9 heures de décalage. Et Vladivostok, c'est une ville russe, mais en fait la plupart des touristes là-bas sont coréens et japonais. Donc pour moi, il y avait vraiment une sorte de mélange qui était complètement étrange. Et à Moscou, j'ai rencontré vraiment par hasard un trio à la barre russe. La barre russe, c'est une discipline nationale du cirque russe qui est très dangereuse parce que l'acrobate n'est pas assuré. Vraiment, en résumé, c'est une barre d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de longueur et de 20 cm de large qui est tenue par 2 porteurs sur l'épaule et sur laquelle un acrobate ou une acrobate rebondit jusqu'à 10 mètres de hauteur. La chance que j'ai eue, c'est de rencontrer les champions du monde de cette discipline-là. Et le plus fou, c'est qu'en fait, l'un des deux porteurs, Johnny Gasser, il a grandi à Porrentruy, là où j'ai atterri dans le Jura suisse. Et en fait, c'était mon prof, enfin, c'était le fils de la famille de l'école du cirque dans laquelle j'ai fait quelques rudiments de cours quand j'étais enfant. Mais ça faisait 15 ans qu'il travaillait au Cirque du Soleil de Las Vegas. Et en fait, il recommençait un nouveau trio en indépendant avec un nouvel athlète. Et l'année d'après, ils ont été de nouveau champions du monde. Mais voilà, donc en fait, c'était comme une sorte d'ancien ami que j'ai retrouvé. Et j'ai trouvé tellement impressionnante cette notion de confiance. Parce que même s'ils sont les champions du monde, il leur a fallu 3 ans pour commencer à faire des sauts périlleux. Parce que pendant 3 ans, ils n'ont travaillé que à la compréhension du corps entre ces 3 personnes et cette barre pour se sentir le plus finement possible parce que c'est vraiment la vie de la personne qui est en jeu. Et pour en arriver à ce niveau de symbiose qui doit être vraiment comme un seul organe, comme un cœur qui bat, il leur fallait 3 ans. Ils passaient leur journée à simplement marcher sur la barre, je sais pas, faire des exercices comme ça. Et vraiment, je me disais, mais pourquoi on peut passer une vie entière à travailler un seul geste et à remettre son destin sur les épaules de personnes qui ne sont ni des amoureux, ni de la famille, c'est pas vraiment des collègues de travail, en même temps c'est extrêmement intime. Donc c'est un texte que j'ai écrit en voulant leur rendre hommage et pour ça, comme toujours dans mon travail, je me documente beaucoup, donc je suis allée passer 3 mois auprès d'eux l'été d'après. Et à ce moment-là, ils étaient au Cirque National de Budapest. Donc en fait, j'ai été un peu la fille à tout faire pendant tout un été dans ce cirque qui sentait extrêmement fort le fauve alors qu'il n'y en a plus depuis 7 ans. Et c'est vraiment l'expérience que j'ai retranscrit après dans la peau de mon personnage. Il y a un personnage qui arrive qui s'appelle Nathalie et qui vient, elle, de Belgique et qui s'occupe des costumes. Donc vous découvrirez ça. Et dans tous vos livres, il y a des points communs. Alors on va essayer de les... comme ça, de les s'expertorer un petit peu, d'aller dedans. Des lieux clos. Sokcho, vous l'avez dit, c'est cette ville bon, très, très singulière, très peuplée là, lorsque c'est la saison haute, mais très, très déserte par ailleurs. Le pachinko, c'est quand même aussi un univers. Le cirque et la maison. Les lieux, à chaque fois, sont déterminants chez vous? Oui, alors clairement.
Par contre, je ne sais pas exactement pourquoi. C'est vrai que tous ces lieux sont plutôt soit des lieux hors saison ou des lieux où il devrait y avoir de la vie, mais il n'y en a pas vraiment. Ou des lieux plutôt intimistes, parce que même si on est par exemple à Tokyo, la chambre de la petite fille Mieko à qui Claire enseigne le français, c'est en fait une ancienne piscine d'hôtel vidée. Un petit hommage à Jean-Philippe Toussaint. En tout cas, ce qui est déterminant, c'est que je crois que je suis simplement extrêmement sensible aux atmosphères et j'intellectualise pas du tout le processus d'écriture. Donc je crois que tout ce qui apparaît sur la feuille ou l'écran, c'est vraiment le, je sais pas, une sorte de besoin d'exprimer quelque chose qui m'a traversée et qui est tellement fort en moi que je peux pas le garder à l'intérieur. Enfin, je dois en faire quelque chose, que ce soit de la danse, du violon ou un texte. Et je crois aussi que en soi, je me sens très agressée dans les villes où, en fait, je crois vraiment que je suis tellement sensible à ces atmosphères que dès qu'il y a beaucoup de stimuli, je me sens vraiment dépassée. Je peux avoir même des crises d'angoisse ou de la tachycardie très, très, très fortement. Et comme quand je me plonge dans un roman, je sais que je suis partie pour des années, et en tout cas vraiment des mois de travail complètement immersif, je pense qu'il y a quelque chose de plus naturel à m'immerger dans quelque chose qui est plus rassurant comme univers, c'est-à-dire plutôt assez, enfin, je sais pas comment dire, restreint en fait, ou qui me, dans lequel je me sens moins dépassée que dans une grande ville. Autre aspect chez vous, beaucoup de vos personnages sont des gens qui ne s'expriment pas par la parole, soit qui sont des taiseux, ils parlent peu. Yann dessine, le premier personnage. Le grand-père gère le jeu. Les acrobates, c'est pas des bavards. Hein, et Vera est aphasique. Donc là, on arrive au sommet. Il y a un côté, cette volonté, peut-être pas une volonté d'ailleurs, mais en tous les cas, écrire le silence ou l'impossibilité de communiquer, quelque chose qui est de cet ordre-là, en tous les cas. Non, en fait, si j'ai ri, c'est parce que je crois qu'au contraire, c'est l'inverse. J'aimerais tellement que mes personnages puissent s'exprimer facilement et communiquer. Et aussi parce que je crois que si je passe autant de temps dans une grande solitude à écrire des romans, c'est parce que je crois que c'est la façon, peut-être la seule façon pour l'instant que j'ai trouvé de dire qui je suis le plus authentiquement possible à mes proches, en tout cas à mes proches. Parce que je suis toujours mal à l'aise, enfin, il y a une part de moi qui est toujours un peu mal à l'aise au minimum, dans un échange en direct. Parce que là, justement, je me pose toujours toutes ces questions, mais je crois qu'on se pose tous, en fait. Est-ce que l'autre m'a bien compris, ou est-ce que j'ai bien interprété, ou qu'est-ce qui se passe là vraiment dans cet échange humain? Et souvent, en général, je suis plus à l'aise intuitivement, par exemple, avec des animaux, en fait, que dans un groupe humain où là, vraiment, Je me pose peut-être trop de questions, tout simplement. Mais en tout cas, vraiment, c'est clair que ce n'est pas une volonté que ces personnages soient si empêchés. En fait, à chaque fin de roman, je suis très frustrée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'en écris un autre où je me dis, dans celui-là, enfin, il va se passer quelque chose. Mais voilà, je vais encore continuer. On va rester entre humains encore un petit peu. Il y a aussi dans vos romans une intrusion, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui sert de révélateur. Il y a un bédéiste français qui arrive en Corée, une jeune femme helvéto-coréenne qui arrive au Japon, une costumière belge qui se retrouve à Vladivostok, et dans la dernière, une sœur, certes, mais elle vient des États-Unis. Il y a besoin de cette venue d'ailleurs. De nouveau, je dirais apparemment oui. Et je crois que là encore, c'est profondément lié à mon expérience de la vie, tout simplement parce que j'ai quand même grandi entre l'Europe, l'Asie, les États-Unis. J'ai une partie de ma famille coréenne qui est aux États-Unis. Et en 5 langues. Donc, je crois que je ne peux tout simplement pas imaginer un espace où l'ailleurs ne serait pas présent d'une manière ou d'une autre, où le fait de parler une autre langue ne serait pas présent. Et la preuve, c'est que j'ai essayé dans le vieil incendie, mais ça n'a pas fonctionné, en tout cas pour l'instant. Et c'est quelque chose que
durant mon enfance, je prenais pour une difficulté, en tout cas dans le Jura suisse, c'est vraiment un endroit de la campagne profonde, plutôt extrême droite. J'ai vécu tellement de racisme que j'ai carrément dû changer d'école, donc c'était vraiment assez traumatisant. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, 25 ans plus tard, mais j'ai vraiment senti cette évolution-là. Et je crois que l'écriture est quand même aussi une part de réparation d'une manière inconsciente de tout ça. Donc oui, pour l'instant, en tout cas, ça me paraît évident que si je parle de ma perception du monde, c'est forcément dans la confrontation de toutes ces formes d'altérité que aujourd'hui, heureusement, je perçois comme une immense richesse. Tous ces personnages aussi pratiquent un art. L'art intervient, c'est la bande dessinée, c'est le dessin, c'est les costumes, c'est le cirque, c'est aussi un art. Elle est scénariste, donc l'art a besoin d'intervenir dans la vie. Il est salvateur d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Là encore, je ne sais pas vraiment pourquoi ça apparaît comme ça. Je crois que c'est de nouveau simplement le reflet de ma sensibilité à ces formes d'expression-là. Pourtant, je n'ai pas du tout des parents... Mon père, il est acupuncteur naturopathe, donc plutôt scientifique. Ma mère est interprète. Donc voilà, la question de la langue, par contre, est quand même très présente. Mais oui, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, depuis mon enfance, j'ai toujours été très sensible aux formes, aux expressions de soi par l'art. Vous avez beaucoup pratiqué quand même des formes d'art différentes. Vous avez... Oui, pas seulement l'écriture. Effectivement, en fait, je joue du violon depuis que j'ai 5 ans. Alors, pas un niveau, un bon niveau quand même pour être vraiment dans des orchestres semi-professionnels, mais pas du tout à un niveau où je pourrais être professionnelle. Par contre, c'est vrai que le violon a vraiment été une école de l'écriture pour moi, au niveau du rythme, la question de la justesse. C'est pas quelque chose d'intellectuel, on doit le ressentir tout simplement. C'est là et dans tout le corps. Je crois que, je ne sais pas, je dirais même la cuisine aussi, une école d'écriture, parce que tous les goûts, le fait de, je ne sais pas, on mâche ces mots, pour moi, je crois vraiment que l'écriture, c'est un artisanat et je dois mon écriture vraiment aux 5 sens. Je répète beaucoup les mots à voix haute et parfois, même dans les langues de mon enfance, il y a certains mots que je ne comprenais pas au niveau sémantique, mais je savais qu'il fallait dire ça à tel moment. Donc ça, c'est aussi un héritage, je crois, que j'ai très fortement. Enfin, le mot comme texture, comme son, comme forme, une forme de synesthésie aussi, je pense. On va parler de votre écriture, justement. Tout à l'heure, je disais qu'avec la première phrase, vous avez l'art de nous situer, mais par des petites choses. Vous dites que c'est une camionnette de location, que c'est une camionnette. Rien qu'en disant camionnette, vous nous avez dit plein de choses, finalement, qu'on va découvrir après, qu'on va vider une maison. Donc, effectivement, il ne faut pas une petite voiture, il faut une camionnette. Et c'est plus suggéré. Je parlais avec de Sokcho tout à l'heure, qui sent le poulpe et la solitude. Cette épure d'écriture, vous y arrivez de quelle façon ? Vous élaguez beaucoup, puisque vos personnages changent de profession, changent de destination, donc vous changez même de personnage d'une certaine façon. Y a les tiroirs ou les poubelles de l'ordinateur sont pleines ? Pas tant que ça, en fait. Ouais. C'est surtout que j'écris peu, mais j'y pense beaucoup. Donc il y a beaucoup de frustration. Je passe par contre beaucoup, beaucoup d'heures à marcher. Dans les périodes d'écriture, déjà en général, mais surtout quand j'écris, je marche au moins 2 heures par jour, parce que c'est vraiment pendant ce temps et pendant ce mouvement-là que j'arrive petit à petit à me mettre, je crois, dans cette disposition où en fait les pensées deviennent un peu automatiques ou prêtes à accueillir une forme de la rêverie, par exemple. Mais je ne dis pas la rêverie au sens de ce romantisme. En fait, c'est vraiment plutôt la pensée automatique, en fait, où les associations d'idées se font sans le prisme de l'intellect, parce que mon intellect, il me dit toujours, mais non, ce que tu fais, c'est tellement nul, c'est tellement, ça va pas. Enfin, et en fait, je dois vraiment me couper de cette voie-là, parce que sinon, j'efface tout ce que j'écris. Et quand je sens que j'ai pu être assez connectée à cette intuition, à ce moment-là,
arrivent ces petits bouts de texte. Et c'est peu souvent, mais il y a peut-être 3 ou 4 fois par roman, des quelques paragraphes qui arrivent où là, c'est vraiment des formes d'état de grâce, mais ça arrive tellement rarement. Et c'est peut-être ce qu'on peut un peu rapprocher de cette intuition dans l'imaginaire collectif. Mais quand ça arrive, je sais que je ne vais pas changer une virgule. Et je sais, je ne peux pas l'exprimer, mais ça, ce serait vraiment les socles sur lesquels, même si un éditeur me disait « ça ne va pas du tout », là, je dirais « d'accord, alors je vais ailleurs ou je ne publie pas ». Et autour de ces très rares moments, tout le reste se construit par vraiment simplement du travail. Je me mets des heures par jour à ma table et il faut élaborer le rythme, la construction, la tension. Mais ça, c'est vraiment une forme de pratique que j'expérimente avec le temps. Mais il n'y a pas de recette. Je lis une phrase, je me relis en chuchotant pour le rythme. Quelque chose que vous prenez à votre compte, ça. Oui. vous relisez en chuchotant, c'est pas un gueuloir chez vous, pas de gueuloir. Je supporte pas les volumes sonores forts. Je peux même pas l'écouter à un concert sans avoir une tachycardie. Pour ça, c'est maladif chez moi. Mais du coup, j'écoute beaucoup de musique, mais toujours sur le volume le plus minimum possible. Et oui, je fais beaucoup ça. Je vous cite une autre phrase. Ils disent que mes dialogues, alors c'est la jeune femme scénariste qui parle, ils disent que mes dialogues sont trop littéraires, ils me font rire, je n'ai jamais écrit pour autre chose que le cinéma. En gros, il faut mimer la réalité sans que ce soit réel. Ça aussi, vous le prenez à votre compte, ça, est-ce qu'on mime la réalité sans que ce soit réel ? En partie, en tout cas, ce sont des questions qui me passionnent parce que je travaille autant de manière pour des romans, qu'en tant que dramaturge pour le théâtre ou comme scénariste. Et en fait, dans tous ces domaines-là, le rapport à l'écriture est vraiment... Non, le rapport à l'écriture, il est le même pour moi, dans le sens où simplement je raconte une histoire et je vois le film dans ma tête. Par contre, la manière de dire le dialogue ou de faire passer un propos, il est différent selon les genres, puisque dans un roman, je suis maîtresse de tout, alors que dans le théâtre, il y a la scénographie, le corps de l'acteur qui va prendre en charge beaucoup du texte. Et dans le cinéma, évidemment, c'est ce qui doit censé être le plus proche de quelque chose de réaliste, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Un dialogue de cinéma, c'est vraiment pas comme dans la vraie vie, enfin, rarement. Et au théâtre non plus. Et en même temps, le dialogue de cinéma et de théâtre n'est pas du tout pareil. Et de nouveau, c'est pas des choses qui peuvent vraiment s'apprendre. Enfin, c'est tellement subtil, je ne saurais pas expliquer vraiment ces différences-là, mais de nouveau, il faut le sentir. Et je crois que là, en l'occurrence, le fait d'avoir rendu Agathe scénariste, c'est un peu pour me moquer parce que j'ai eu des expériences de scénariste dans le milieu du cinéma américain. Et vraiment, c'était parfois aberrant pour moi, en tant qu'Européenne, mais en tant qu'auteur aussi, de voir à quel point on a si peu de liberté et à quel point, en fait, l'économie, c'est extrêmement puissant. Enfin, vraiment, des fois, le cinéma, mais il y a des sommes extrêmement impensable. Et en plus, elle doit adapter Georges Perec pour Netflix. Donc, je me moque un peu de ça. Mais c'est aussi venu, je crois, du fait que Hiver à Sokcho est en cours d'adaptation au cinéma. Et je n'ai pas voulu participer au projet. Mais par contre, j'ai rencontré vraiment toute l'équipe. J'ai été sur le plateau en Corée du Sud ce printemps. Et bien sûr, c'est quelque chose qui me remue puisque... Je sais à quel point une adaptation, ça a été aussi adapté au théâtre. Donc voilà, j'ai vraiment ces points de comparaison-là. Et j'ai aucune gêne à lâcher prise. Donc vraiment, j'étais très honorée et tout ça. Mais il y a une part de moi qui doit à chaque fois faire un deuil aussi de cette histoire. Et tout simplement. On peut en savoir plus sur le cinéma. Le film, il est en projet, il est déjà en partie achevé. On en est à quel stade? On peut dire des choses ou c'est encore top secret? Non, c'est pas du tout secret. Le film est vraiment en dernier. Je crois qu'ils sont au mixage maintenant, donc c'est les dernières étapes de la post-production. Il a été tourné au mois de mars en Corée du Sud et il va sortir au printemps prochain, dans le meilleur des cas dans les festivals et sinon de toute façon sur les écrans. Le réalisateur, il s'appelle Koya Kamura, il est franco-japonais. Le scénariste, c'est Stéphane Kyung, il est franco-vietnamien. C'est une production franco-coréenne. Et l'actrice principale, c'est un hasard absolu, mais son père vient de Sokcho. Elle vit à Paris depuis 8 ans.
Et le personnage qui joue Yann Kéran, c'est Roche Dizem. Voilà. Qui lui aussi est une double culture. Oui, et c'était très émouvant pour nous parce que, évidemment, il est extrêmement connu et tout ça, donc on ne savait pas du tout s'il allait accepter de jouer un rôle comme ça dans un film qui est le premier long métrage de Koya Kamura, qui a fait un premier cours qui a énormément. Enfin, qui a eu beaucoup de prix dans les festivals. Il a travaillé sur Fukushima. Et en fait, Rojdi a dit oui tout de suite, parce qu'à la lecture du scénario, il nous a dit que c'était vraiment lui à ce moment précis de sa vie en ce moment. Donc. Et en plus, il avait envie depuis longtemps de jouer en dehors de la France. Donc, il y avait une sorte de synchronicité très belle. Et c'est vrai que c'était étonnant parce qu'il n'a pas tellement le look du Normand par excellence, mais mais en l'occurrence vraiment c'est merveilleux de voir ces deux personnages principaux vraiment incarnés. Alors comme on le disait, on est suivi un petit peu partout dans le monde. Il y a trois questions qui viennent de trois lieux très très différents. Un Fernandin qui est en Argentine qui demande si Elisa fait la traduction de ses livres en coréen. Non, malheureusement, je ne peux déjà pas les écrire en coréen, alors je ne pourrais pas les traduire. Donc non, ce n'est pas moi qui ai traduit. Vous supervisez un petit peu les traductions, vous avez un œil, vous regardez ou pas du tout, vous laissez faire? Alors contractuellement, de toute façon, je n'aurais pas le droit, enfin, ce n'est pas le rôle de l'auteur. Vous aidez à la traduction? Justement, ça dépend des langues. Par exemple, avec ma traductrice anglaise, avec mon traducteur allemand, mes traducteurs italiens ou espagnols, j'ai parfois eu des contacts, parfois vraiment étroits, parfois on est devenu vraiment... Anissa, ma traductrice anglaise, elle est devenue presque comme ma grand-mère. Enfin, tellement, à un moment donné, c'est particulier avec les traducteurs, puisque c'est comme si la personne devait comprendre notre manière de penser. Donc, à la fois, c'est un rapport de travail et en même temps d'une intimité folle. Je trouve même qu'elle a mieux traduit en anglais que je n'ai écrit en français. Donc voilà, je lui dois ça. Le coréen, je regrette de ne jamais avoir de contact. Et ce n'est pas vraiment à l'auteur, en général, de solliciter le contact. En tout cas, mon traducteur ne l'a pas fait. Et c'est vrai que comme c'est une langue que je peux lire et comprendre et parler, je crois que j'aurais aimé. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Marilyn de Sardaigne, on change de lieu. Alors, je vous remercie, Elisa, pour ce magnifique récit. Je ne sais pas quel est le récit. En tant que jeune femme bilingue, ressentez-vous une frontière entre les deux cultures qui vous appartiennent? On revient. Alors bon, je crois qu'effectivement j'en ai beaucoup parlé, mais vraiment en résumé, oui, bien sûr, il y a toujours des formes de frontières, mais je crois que j'ai renoncé en tout cas au fantasme d'une forme d'harmonie parfaite que j'espérais quand j'étais enfant, en tout cas, pour comprendre que oui, il y a des frontières évidente, mais que ces frontières-là bougent sans cesse et que le curseur évolue et parfois il y a des formes de fusion quand même. C'est un peu ésotérique là, comme ça, mais je sais pas comment le dire mieux que ça. Voilà. Roberta Sampaolo, quel sera votre prochain voyage littéraire? Alors quel sera notre prochain voyage littéraire à nous aussi? Alors, comme je suis en train d'y travailler et que plus je parle d'un projet en cours qui me fait, par définition, paniquer, plus j'en parle, moins j'arrive à écrire. Je ne vais pas en dire beaucoup, mais... Non, on veut surtout pas paniquer dans votre écriture. Alors là, non. Et alors, est-ce qu'entre deux, vous avez un petit intermède de je sais pas, de littérature jeunesse, de théâtre, des petits projets qui vont combler l'entre-deux? Alors, j'ai reçu une commande d'une pièce radiophonique qui sera diffusée au printemps prochain, qui est déjà terminée, effectivement. Alors, pour moi, ce ne sont pas des petits projets ou des projets moindres. Vraiment, je m'investis autant, mais c'est vrai que le roman, c'est quand même le travail qui a le plus d'écho. En ce moment, je travaille sur trois projets musicaux, dramatiques, et où là, je suis vraiment sur scène à lire avec les musiciens. Et ce sont des choses que j'adore. En fait, au départ, je viens vraiment du théâtre, plus que de la littérature. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Mais surtout, ce qui m'occupe, ce sont les voyages de promotion, parce que mes textes sont traduits dans plus de 35 langues maintenant. Et ça demande énormément de voyages, en fait, pour aller à la rencontre de tous ces publics.
Et l'enjeu principal maintenant pour moi, c'est de protéger en fait l'espace-temps d'écriture, donc de partir en résidence ou de réserver vraiment des périodes pendant lesquelles je n'ouvre pas mes mails pendant des semaines, voire des mois. Merci beaucoup, Elisa, de ces questions de réponses, et j'insiste sur le beaucoup. Il est très, très, très fort et très, très sincère. Pour ceux qui sont dans cette salle, il y a une table de dédicace à la sortie. Tous les livres d'Elisa sont présents sur cette table. Vous pouvez les trouver, avoir éventuellement une dédicace. Et puis, j'espère, une très bonne lecture. Quant à ceux qui nous ont suivis ce soir, bonne soirée également à vous, ou bonne journée ou bonjour d'ailleurs pour certains. Et en tous les cas, à tous, bonne fin de journée, de soirée et bonne lecture. Merci beaucoup.